Bon, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Je suis très... Je vais commencer. Je pars après-demain. Le 7, pour faire les 190 premiers kilomètres avant le concert du 9. Et aujourd'hui, je fais un petit test, je vais faire 20 bornes. Juste pour tester, pour me mettre un poil en jambe, pour voir comment tout ça fonctionne. Purée, il est lourd. Heureusement que je fais pas ça en montagne. Oh purée, c'est du costaud. Bon allez, 20 bornes. Test. J'arrive à m'équiper avant qu'il pleuve. Bon, en même temps, il a pas plu. Ça crachotait, et puis finalement, bah, il a pas plu. Donc, putain, c'est lourd. Hein. Le 31, mon bureau, c'est là pour terminer la tournée. Le casque musique du parc du château de Saint-Germain-en-Laye. Organisé par la clé. Rien de super sur Paris. Pendant tout ce trajet, j'ai avoir mieux que la Défense et la Tour Eiffel, mais enfin, ici, on a une belle vue. The Château of Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Bah, c'est cool hein, quand même pour terminer. Ça va être pas mal du tout comme bureau. Trop bien. Par contre, ça va être dur, putain. Bon, tu vois le photographe là? Ouais. C'est l'huissier de justice. L'huissier de justice. Tu viens vérifier que, un, je pars bien en vélo. Hop, bah ouais, parce que là je pars, là, ça y est, c'est parti. Bon, le casque, c'est pas pour la guitare, c'est juste que j'ai pas du tout. Là je pars, il est 10h du matin, on est le 7 juillet, et je pars. Il est, lui c'est justice, mais aussi c'est mon manager, Yvan Polona, c'est lui. Voilà. Le manager, de l'autre, je suis son poulain. Bon, maître Capello, est-ce que je suis, est-ce que je me suis dopé? Non, petit café, ça compte pas. Petit café, c'est bon. Petit café, on a pris un café. Et petit tonic dans la gorge. Et voilà, bon allez, j'ai peur. J'ai peur. J'ai beau être matinal, j'ai peur. Ça va le faire. J'ai pas encore perdu le double menton. Par contre, j'ai une coupe d'enfer. Je suis arrivé. 6h15, pause comprise. Et des fois, c'est dur. Et ça va le faire. Bonjour. Je parlais avec les enfants. L'autre reportage, j'ai 15 secondes pour te dire que je triche, je suis en vélo électrique. Et oui, ça c'est la batterie de mon vélo électrique. Oui. C'est fini. Bon, et j'ai un souci. Parce que je ne trouve plus ma batterie de vélo électrique. Je vais être obligé de pédaler normalement, je comprends pas. J'ai pourtant bien cru que j'avais un vélo électrique, je ne comprends pas. Ah ça y est, je sais. Ah, c'est les gardiens du camping qui m'avaient prêté un booster de batterie pour recharger mes batteries de téléphone. Et moi, je suis tellement crédule que je me suis cru. Oh purée, il va falloir que je pédale. Oh là là. L'autre info, bah, il pleut, et quand il pleut, bah, c'est la galère, je suis pas lavé, c'est le bordel dans l'organisation, il y en a plein partout, je suis même pas encore installé. Heureusement, demain, je joue, donc je suis logé. Ce qui est le cas à chaque fois que je joue, mais pour les étapes intermédiaires, je suis pas logé. Et s'il pleut comme ça à chaque fois, ça va être la galère. Purée, mais... Je suis con, quoi. Pourquoi je fais ça, moi aussi? Je tremble. Je voudrais être Brel. Oh, pas en comparaison. Pas pour m'y croire. Non. Même pas pour la musique. J'ai trop de respect pour lui. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Non. Juste pour pouvoir dire, moi aussi, le plat pays qui est le mien. Il y en a marre. C'est trop dur. Le vestiaire. Et c'est pas du pétrole, hein. C'est du pétrole à boire. De la bière. La bière sagesse. J'adore. Chut. Là, il y a les loges. Clac, hop. Et là, la salle de concert. Salut. Bon, il y a un petit problème avec le son pour le moment. Il manque du matériel pour le son, mais c'est pas grave. Au pire, je jouerai acoustique. On s'adapte. Et voilà le patron, Nicolas. Ah bah pas avec les poubelles. Oh pas avec les poubelles. En plus j'ai 5 poubelles là. Oh merde. Bon après avec un verre à la main ça sera mieux. Hein. Ah et le food truck. Salut le food truck. L'autre info. Tu vois ça toi? Non tu vois pas parce qu'on est dans le noir là. Mec je dors dans une brasserie. Ils étaient presque gênés. Et que moi je suis trop content là-bas. C'est les gros fûts en bois. Je dors dans la brasserie. C'est trop bien. C'est une soirée sympa. Juste il y a un truc. Il m'a dit que le bruit allait s'arrêter. Putain j'espère. Oh putain le bruit. J'ai démarré là, non? Moi j'y vais, hein. La prochaine fois, hein? La prochaine fois qu'il me prend une idée comme ça, je fais ça l'été. Pas à l'automne, c'est n'importe quoi. Il pleut, il caille. Putain, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que je fais, putain?
La Suisse normande, c'est très joli. Mais c'est wallonné. Oh putain, c'est wallonné. C'est wallonné. Putain. Phrase d'accroche. Bon, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je crois, je sais pourquoi j'ai écrit. J'étais automatique promotion mécanique sur mon écran tactile. Je sais pourquoi je l'ai écrit. Je sais surtout pour qui je l'ai écrit. J'ai vraiment écrit pour moi. Je subis. Je subis comme un imbécile. Je fais confiance à ma GPS et il m'envoie dans des trucs, mais laisse tomber. J'ai failli vautrer je sais pas combien de fois. Regarde ça. Il était propre, il était là pour sécher là. Même le GPS, il avait marqué. Le GPS, il avait marqué poser pied à terre. Mais là que je suis embêté, mais. Non. N'importe quoi. Je sens du mal. Phrase d'accroche. Je sais pas. Alors voilà, voilà comment comment avoir l'air con. Je me déguise en extraterrestre parce qu'il pleut. Et puis hop, il s'arrête de pleuvoir. Moi, j'aurais voulu un café. Mais ça est fermé le café. J'en trouve pas de café nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Mais je voudrais un café. Il y a enfin un peu de soleil. Mais je ne trouve pas de café. Je voudrais un café, un café. Je crois que j'ai trouvé le café. Oui, le café. Ah, un café. In euphoria. And you. Ah mais je m'échauffe, parce que c'est je suis tout seul dans une maison, c'est les loges. Et j'attends le faire. Je sais pas quoi, je vais venir, ah merde, je peux pas le faire, hein. Je peux pas faire, encore de route. Oh, merde, c'est, je suis dans les loges, je suis tout seul dans une maison. C'est cool. J'suis tout seul dans une maison. Exoplanète. Phrase d'accroche. Une planète habitée. Bon, je sais pas. Ah, en tout cas, la scène d'hier. C'était là. Bon, on a rangé, hein. C'était là, la scène d'hier. Chéric, sympa, très accueillant. C'était cool, on s'est bien marré. Ça a commencé là dehors, et puis comme il s'est mis à flotter, hop, ça a fini claque dans la cheminée. C'était plutôt sympa de terminer le conseiller dans la cheminée. Je crois qu'ils allaient manger, là, j'ai eu peur un peu. Mais bon, finalement, ils n'ont pas mangé. C'était plutôt sympa. Ouais, salut du coup. Phrase d'accroche. Je sais pas. Merde, je sais pas. C'est quoi la phrase d'accroche? Il nous faut une phrase d'accroche. C'est Yannick Noah qui joue avec moi ce soir. Non, Blanche-Neige, tu vas pas me parler comme ça. comment il s'appelle ton groupe? Hein? Comment il s'appelle ton groupe? Awake. Il y a Awake qui joue ce soir là. Toi t'es Awake aussi? J'accompagne. Il y a Awake S. Et eux c'est Apes O'Clock. Et là c'est le bureau de ce soir comme disent les spécialistes de la communication. Eux ils font un peu des reprises de Rage Against the Machine. Non, c'est quoi? Et lui, je l'ai fait prisonnier et il a dit oui pour mon son. Il a dit oui parce que c'est son anniversaire. Bon anniversaire, merci pour le son. Et là c'est l'éprouvette, ça a l'air trop bien ici. Et lui c'est lui qui m'a prêté son briquet pour que j'ouvre ma bière, merci. Et lui c'est le nom, vous avez compris? Ouais, j'ai 40 ans aujourd'hui. Oh là là, mais c'est que des anniversaires aujourd'hui, que des vieux en plus. Moi du haut de mes 34 ans là. 34 ans. Oui, 34 ans moi, ça se voit pas. Oh. Alors et moi, juste celle-là, hein, ça suffit. Hein. Il en a 10 fois trop pour moi. Bon, et voilà. Boum, boum. Le plus beau concerto est celui de ta voix. Phrase d'accroche. Je sais pas. Bon, moi, qu'est-ce que je fais, dis pas, moi, une fois arrivé à mon étape, à mon contour, là, tu vois, qu'est-ce que je fais, hein? Parce que quand j'ai pédalé, ben, je vais marcher, hein? Je vais marcher, je monte des marches. Et je suis con, ben. Putain, je suis sacrément con, quand même. Purée, c'est pas vrai. Phrase d'accroche. Je sais pas. Enfin, comme dire les spécialistes de la communication, le bureau ce soir c'est ici dans quelques heures, 2-3 heures. Ça va être sympa. J'adore.
C'est trop mal, carrément bien. Je tremble. Phrase d'accroche. Je sais pas. Bon, bah alors voilà. Là, c'était mon étape la plus longue sur le papier en termes de kilomètres. Avant un concert, je devais faire 88 km au départ. J'ai bien étudié la carte. J'allais en faire que 82 et je suis parti tôt ce matin parce que je voulais être bien pour le concert et tout. Et puis, j'ai eu des problèmes de transmission deux fois de suite. Heureusement, aux alentours de Saint-Brieuc, j'ai pu aller jusqu'à un magasin qui était pas trop loin. Merci le géante de Saint-Brieuc. Vous avez été très sympa, les gars. Et puis on a discuté musique et tout. Et bah, ils m'ont un peu refait mon vélo, tout le monde m'a même appris à le faire. Vite fait, parce que je suis pourri moi pour ça, ce qui est pas malin de partir dans des aventures. Pardon. Mais du coup, bah là, aujourd'hui, j'ai déjà fait 58 km, il m'en reste 40. Phrase d'accroche. Je sais pas. Et il y en a, ils se demandent si l'autre il a fait ses 40 km qui lui restaient des 58 précédents. Bah oui, il les a fait. Il y en a qui se demandent s'il est arrivé à l'heure à son concert. Bah oui, il est arrivé à l'heure. Il y en a qui se demandent s'il a réussi à faire le concert. Bah oui, il a réussi. Et il y en a qui se demandent mais comment il fait. Eh, c'est simple. Je vais t'expliquer. Parce que l'autre, quand il fait un concert, et il est reçu royalement, monsieur dame. Les loges, c'est une maison tranquille, tout seul, avec personne qui ronfle. Il est tout tranquille. Il peut faire ce qu'il veut. Tranquille, se reposer. Hop. Hop. Et après, il peut dormir. Ouais, tu peux changer les paroles si tu veux. Et mais rester, c'est très très facile. Ça fait 1, 2, 3, 4, puis les pilons. Et puis il y a un truc, j'ai même mis un clin d'œil, je fais 1, 2, clin d'œil, pilipiloum, 2, clin d'œil, pilipiloum, 2, clin d'œil, pilipiloum, 2, pilipiloum, 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 pilipiloum. Phrase d'accroche. Je sais pas, je sais pas. Bon bah, aujourd'hui c'est une petite étape, 33 km, 3 fois moins qu'hier. Du coup c'est finger in the nose, en plus y a pas d'embrouille, il pleut pas, il fait pas froid, le vélo déraille pas, j'ai pas d'emmerde à te raconter, j'espère que tu suivras quand même, hein. Ça va bien, ça va bien. Pardon. Au fait, il y aura un rappel à la fin. Phrase d'accroche. Je sais pas. Bon, c'est le bureau de ce soir. Ça a l'air complètement nul. Non, vraiment, absolument pas intéressant. Il passe de la musique déjà qui me plaît pas du tout. Ça a l'air tout petit. Les gens ont pas l'air sympas du tout. Et les conditions ont l'air vraiment naze. Bon, je sais pas si je vais rester. C'est vraiment. Des fois, je me demande ce que je fais. Et donc, ça a l'air d'être un lieu trop trop bien. Ça s'appelle Café Théodore. Et comme disent les spécialistes de la communication, le bureau de ce soir avec mon secrétaire. Voilà, voilà. Ça a l'air pas bien du tout, hein. Vraiment pourri. Bon, je sais pas si je vais rester. Je m'appelle Georges. Georges, si je veux. Je m'appelle Georges. Phrase d'accroche. Bon, je sais pas. Je crois que je vais continuer en bateau. C'est au bord de la mer, Prignon, je crois. Je crois que je vais continuer en bateau, moi. Bon, je suis avec mon manager. Qu'est-ce que t'en penses? Je continue en bateau ou pas? Ça se discute. Ça se dit. Bon, on va discuter alors. Hein? David Bowie dit non. David Bowie dit non. Allez-tu assécher? Avec le vélo là, voilà, non. Cigarette.
phrase d'accroche. Oui, je sais pas. Le problème quand tu fais ton jour off avec des potes, le seul jour de la tournée, c'est que tu veux plus repartir après. Oh, non, 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 le premier qui trouve la contrepréterie, il faut qu'il lève la main. Vous avez trouvé? Ah, je l'ai pas faite encore. Phrase d'accroche. Je sais pas. Je sais pas, aujourd'hui je suis très peu chargé pas mécontent parce qu'il va y avoir un camion matin, qui va amener pendant deux étapes le matériel car je vais faire une étape avec des touristes. Phrase d'accroche. Moi je sais pas. Bon, le problème quand t'as des potes qui t'accompagnent sur deux jours de ta tournée de 24 étapes, au bout d'une demi-étape, bah qu'est-ce qui se passe? Tu les attends. T'attends qu'ils se réveillent. Parce qu'ils dorment. Voilà. Parce qu'ils sont rincés. Et pourtant, il y a un camion qui permet de partager le vélo pour certains d'entre eux, dans lui. Et lui, le cycliste, au vélo pourri qui l'a fait réviser dans une boucherie sans doute. Voilà. Donc quand t'as des potes qui t'accompagnent, bah t'attends qu'ils se réveillent. Au bout d'une demi-journée. Pas rendu. Merci les amis. Hein, je... Salut les loulous. Ouais, salut les gars. Une petite pensée pour vous là, ceux qui sont sur les vélos. J'espère que c'est pas trop dur. Ouais, j'espère que c'est pas trop dur parce que il fait chaud. Hein, il fait chaud. Ouais. Allez, bah, une petite pensée pour vous et puis c'est frais. Hein. Ouais, allez. Irmat. Allez, pédalez les gars. C'est vrai que ça fait du bien une petite bière après le vélo. Hein? Allez. Phrase d'accroche. Ah, je sais pas là. Le problème des éoliennes, pour qu'elles prennent le vent, c'est qu'elles sont en haut d'écoute. Oh putain. Oh putain. Pourquoi je fais ça? Ma chérie veut un truc. Phrase d'accroche. Je sais pas. Deux jours, accompagné par des copains, quatre vélos, un camion. Du coup, pendant deux jours, j'étais pas chargé. Les sacoches étaient dans le camion. Et là, me voici à nouveau tout seul. Les copains, je m'en fous, mais faut que je reporte mes sacoches. C'est trop lourd. J'en ai marre. C'est lourd. Mais pourquoi je fais ça? Phrase d'accroche. Bon, je sais pas. Je suis pas mort. En tout cas, camarade spécialiste de la pédale. Tu vois, ça c'est une pédale à l'ancienne. J'ai pas de pédale de cycliste professionnel parce que je voulais pas avoir deux paires de chaussures. Et en plus, je sais pas m'en servir. Ah, moi, je voulais mettre une butée à la place. Et bah, le calepier, j'ai pas pu parce que. Ça me faisait toucher ma guitare. Ou le gros sac derrière. Et du coup, bah, j'ai pas mis de calepier. Et je pédale avec le pied un peu en avant. Ouais. C'est fatigant. Phrase d'accroche. Bah, je sais pas. Aujourd'hui j'avais 80 bornes à faire et était annoncé orage, grêle, vigilance orange, grosse panique. Je me suis levé tôt, 6 heures debout, 7h30 parti. Ouais, je sais, je mets du temps. Je suis déguisé, ça y est, là j'ai dû me déguiser en extraterrestre
j'entends sonner, je prends quelques gouttelettes. Mais, il me reste 16 bornes et je crois que je vais réussir à éviter le courage. Reste accroche. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il a fait plus de 1000 bornes à vélo au total, dont 80 dans la journée, quasiment d'une traite. Il a quand même dû s'arrêter l'animal parce que son vélo déconne, il est passé sur par un magasin qui s'appelait Celtic Bike, hein, avec un petit jeune qui lui a dévoilé une roue, regressé, enfin, réparé le vélo qui merdouillait pas mal. Qu'est-ce qu'il fait après tout ça, hein? Eh ben il marche. Il marche pendant 2,5 km pour aller manger parce qu'aujourd'hui je ne joue pas, donc je suis pas payé nourri logé. Et ben dans ce cas-là, je me débrouille. Et ben je marche pendant 2,5 km pour aller trouver un truc gonflé. Hein? C'est bien ça, hein? Ouais, super. Ouais. Phrase d'accroche. Je sais pas. Moi en tout cas je suis dans les loges du soir comme disent les spécialistes de la communication. Bah, j'en vais là-haut. Et je dis là-haut, oh là, faudra pas que je boite trop ce soir. Ouh là 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 là. Et puis c'est très sympa. C'est chez Solène et Violaine. Sauf que c'est pas loin d'où je joue, c'est à 30 secondes à pied. Hein. Mais je sais pas si ça se voit là, mais non, ça se voit pas, je crois. Il pleut. Ouais, il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Phrase d'accroche. Moi je sais pas. En tout cas, toujours un emprunt aux spécialistes de la communication. Le bureau de ce soir devait être ici, sonorisé, dans un espace qui avait l'air carrément bien, qui était assez sympa. Mais vu le temps qui fait, bah, ça va être en acoustique, à l'intérieur, et on fera avec. Et ça va être bien quand même. Voilà, voilà. Excusez-moi, je fais de la communication. Voilà, hop, c'est là. Mais nous, on s'affale, on s'étale, on t'arrache l'épiderme de nos langues en acier, sans se soucier de rien. Phrase d'accroche. Bah, je sais pas. J'entends pas. Quoi? Ouais, d'accord. Ok, bon, on se retrouve le 28 à Chapelle Royale alors, hein, ok? Ouais, bon là. En tout cas, il pleut pas. Feeling, feeling, feeling. Parfum, feeling, feeling. Chapelle Royale. Chapelle Royale, Chapelle Royale. Phrase d'accroche. Je sais pas. La tournée sacoche, c'est 1600 km en 24 étapes, dont 12 concerts. Ce qui veut dire qu'il reste 12 étapes durant lesquelles je dois me débrouiller. J'ai prévu la tente, mais aujourd'hui je fais un petit extra. Un petit extra gîte. Parce qu'il va pleuvoir cette nuit et demain matin. Non, mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que, à peine arrivé, les voisins, ils m'ont invité à venir faire un apéro-concert. Un apéro, je veux dire, dînatoire. C'est pas cool, ça? C'est cool, hein? Sympa. J'ai rendez-vous dans une demi-heure, donc je vais me reposer un peu, là. Allez, salut. Et à la vôtre. Phrase d'accroche. Je sais pas. Je sais pas. Il pleut. Il pleut beaucoup, il pleut beaucoup, on a marre. Phrase d'accroche. Bon, je sais pas. Bah détente. Voilà, détente. Allez, détente. Détente. Non, parce que tu veux pas se voir un pote sur ta tournée sacoche qui dit, tu vas voir, je vais m'occuper de toi, comme les coureurs du Tour de France. Je fais, ah, c'est sympa. Et qui me dit, ouais, tiens, t'as une surprise à 17h30. Et qu'est-ce que c'est? Un massage. C'est moi. Un massage. C'est trop bien, ça. Ah, j'ai des copains, mais ils sont... Ils vont être verts. Hey, ah, ouais. Trop bien. Bah, tu vas me les amener, tes potes. Allez, hein. Prêt? Jaloux. Les spécialistes de la communication, le bureau du soir, et ça a l'air sympa comme tout. Voilà, café, arrêt-clé, café, arrêt-clé, café, c'est super. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Me laisse pas comme ça, non, me laisse pas. Allô, allô, Yvan, comment va mon manager? Bien? Ouais, ouais, bah moi j'avance bien, j'avance. Oui, je fais le plein là. Je fais un peu de. Ouais. Non, t'inquiète pas, je filme pas. Ah merde. Je te laisse!
Phrase d'accroche. Je sais pas. Comme disent les spécialistes internationaux de la com, voici le bureau de ce soir. Voilà, voilà. C'est pas mal, c'est de briques et de broc. Mais on a réussi à faire un pied de micro. Hein ? Il est bien le pied de micro ou pas ? Il est bien le pied de micro. Il est au top. Hein ? T'as vu ? Voilà, c'est le bureau de ce soir. Elle veut du feu ! Du jaïs ! Elle veut du feu ! Du qui jaïs ! Elle veut du feu ! Du qui jaïs ! Elle veut du feu ! Du qui jaïs ! Elle veut du feu ! Du qui jaïs 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 ! Elle veut du feu ! Elle veut du feu ! Elle veut du feu ! Du feu ! Ouais, bah voilà, ça c'est de la piste cyclable super funky. Ouais, 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 c'est de la piste cyclable funky. Je suis de retour en région parisienne. Voilà, ouais. Ah, ça c'est funky. Voilà. Bon. Phrase d'accroche. Bah, je sais pas. Je sais pas, mais comme disent les spécialistes internationaux de la communication, voici le bureau de ce soir, comme ils disent là dans la com. Il est pas mal du tout le bureau de ce soir, il est vraiment bien. Trop trop bien. Trop trop bien. Il y a du bon son, un super lieu avec une belle vue sur Paris, pas par ici. Hop, vous gâchez la vue sur Paris. Non, je rigole. C'est pas pour Paris, surtout pour Paris. Vous savez rien, là-bas c'est la défense, Berk. Là-bas c'est la tour Eiffel. Puis c'est la maison, je sais pas quoi. Puis derrière le château. Par là-bas, je m'envoie pas derrière les armes, les châteaux. Bon, c'est pourri, hein. Allez, à tout à l'heure. Phrase d'accroche. Je sais pas. Tu sais ce qu'il fait l'autre quand il est plus l'autre? Quand c'est plus l'autre, que c'est l'autre, qu'il est en vacances? Hein? Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du vélo. Hein? Il va à la plage en vélo. Il va à la plage en vélo, et puis comme c'est plus fort que lui, bah, il peut pas s'empêcher d'avoir quelque chose accroché au vélo. Parce que les morpions, ils veulent la planche de Bodhisattva Fnus. Mais... Donc voilà, un vélo est moins bien, mais c'est vachement plus léger. Oh, c'est plus facile! C'est tellement plus facile, purée. Voilà. Allez, hein. Du coup, je parle beaucoup entre les chansons, comme ça, ça meuble, parce que je suis payé à l'heure, pas à la chanson, alors je m'en fous. Phrase d'accroche. On s'en fout.